C'est un projet d'art total, comédie musicale, hein, théâtre, musique, chant, mais aussi inclusif, mettant sur scène à la fois des personnes professionnelles valides, mais aussi une quinzaine de personnes en situation de handicap. Un projet innovant, innovant puisque ça ne s'est jamais fait, enfin, on n'a pas d'autres projets qu'on ait pu voir en France, aussi sur le long cours. Au milieu du gué, puisque nous avons commencé à répéter au mois de septembre, les représentations, les cinq représentations à Clermont et dans quatre autres villes d'Auvergne sont au mois de juin, et on répète deux fois par mois, donc pour travailler le théâtre, les chants. C'est un gros pari. La mayonnaise est en train de prendre, on le voit bien. Tous ces apprentis chanteurs et comédiens ont soif de se retrouver à l'opéra et d'être applaudis. Le respect, l'écoute. L'apprentissage sont des valeurs qui sont partagées par les financeurs, la Fondation Trait d'Union Auvergne, mais aussi toutes les entreprises et collectivités qui nous soutiennent. Et je pense que ce sont aussi des valeurs que partagent la Fondation Michelin et l'entreprise Michelin. Un évêque comme